Salut les riders, c'est Electron, j'ai ressorti l'iFlex. Aujourd'hui, on va la faire un peu évoluer sur tous les terrains. On a déjà vu qu'elle était assez résistante sur le saut des 4 marches dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment on l'applique, comment on la déplie. Et puis en fin de vidéo, on va tester une résistance. Ne le faites pas chez vous, hein. C'est un petit peu l'idée du s'il y en a un qui se jette dans le canal, est-ce que tu te jetteras dans le canal? Ne le faites pas. Moi, je sais que depuis quelques jours, je roule sous la pluie avec cette trottinette. Elle résiste très très bien à l'eau. Et ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Elle va prendre un petit peu cher. Allez, c'est parti. On commence tout de suite sur le pliage et le dépliage de la machine. Alors, venez voir un petit peu. Alors, on y va. Petite démonstration du pliage. Là, j'ai saisi le frein arrière. Je pousse un peu en avant et j'appuie sur le bouton. Elle se loque automatiquement. Ici, on l'a saisi à peu près au milieu de la trottinette. Ça fait une grosse poignée. Et on la lève. Donc voilà. J'en profite un petit peu pour vous montrer le câble apparent. Il y en a qui l'ont critiqué, mais dans son esprit, je trouve bois alu. Ça fait un peu rétro, il y avait ça sur les vélos avant. Et c'était assez rigolo. Donc je vous montre le dépliage. Regardez bien ici au niveau du lock. J'appuie sur le bouton et je relève simplement. Donc comme d'habitude, comme sur toutes les trottinettes, on s'assure de bien avoir cliqué. Voilà, pour pouvoir repartir. La béquille latérale. Et on va pouvoir prendre la route. Close the path where we used to be fine. I'm dropping stars 'cause I fail you. How my morals are met for you. Oh, I'm sure you understand. When our bodies are burning, I wish you pull me down and you did it. Now I know from deep down in the hole, how much I can regret. I killed one of my best. Right.
vous êtes face à la gare Lille-Flandre. Donc à l'intérieur, il y a une boutique qui s'appelle Les Merveilleux de chez Fred. Si un jour vous passez sur Lille, il y a trois boutiques. Il y en a une à Oisem, il y en a une ici et il y en a une dans le Vieux-Lille. Franchement, les petits merveilleux sont vraiment extra. Les petits merveilleux noirs, franchement, moi je vous les conseille. C'est vraiment une très bonne pâtisserie. Allez, on continue. On va aller faire un petit tour en centre-ville. Petite pause, on est sur la grande place de Lille. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y avait une petite information subliminale en tout début de vidéo. Le but, il est de savoir quand même si cette trottinette, elle résiste à la pluie. Donc on va lui faire un test ultime, mais pour la pluie, franchement, j'ai pas eu de soucis. Et elle a pris l'eau bien plus d'une fois. Alors, petite pause devant la maison Coilio. C'est une maison qui a été dessinée par l'architecte Hector Guimard. Et ce même architecte, c'est lui qui a fait les portes du métro de Paris. Donc, il a fait pas mal de trucs. Cette maison-là est classée. Et bon, on passait à côté. Donc, c'était l'occasion de vous présenter cette petite maison un petit peu atypique lilloise. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est la fin de ce petit ride. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez activer la petite cloche pour ne rien rater. Bon, vous avez vu, la iFlex, on a vu comment elle se pliait. On a vu encore quelques petits déplacements à l'intérieur de cette belle ville de Lille. On l'a complètement immergée de près de 40-50 cm. Il faut savoir que c'est pas la première fois que je le fais. J'avais essayé plusieurs fois, mais avec la météo pourrie, les images n'étaient pas belles. Donc, elle résiste bien à l'eau, ne le faites pas forcément chez vous, mais soyez rassurés, si vous prenez une petite pluie, il n'y a vraiment aucun souci. En attendant, je vous souhaite à tous de bons rides et je vous dis à très bientôt.